Sur Nintendo 3DS, des chiots et des chatons presque vivants en relief 3D vous attendent dans Nintendogs plus Cats. Profitez de vos chiots sur l'écran relief 3D supérieur de la Nintendo 3DS. Observez-les en train de s'amuser à la maison comme si vous y étiez. Avec le curseur 3D à droite de l'écran supérieur, vous pouvez ajuster le niveau d'intensité de la 3D pour un confort visuel sur mesure. Si vous le souhaitez, vous pouvez même jouer en 2D en mettant le curseur sur off. Avec votre stylet, vous interagissez avec votre chiot. Il vous suffit de toucher l'écran inférieur tactile comme sur les consoles Nintendo DS. Tout d'abord, rendez-vous au chenil pour adopter le chiot que vous allez ramener chez vous. Chaque chiot est unique. Et même au sein d'une même espèce, chacun a un corps, un pelage et surtout une personnalité bien à lui. À vous de choisir votre toutou préféré. De retour à la maison, vous pouvez apprendre son nom à votre chiot. Avec le microphone de la Nintendo 3DS, appelez-le par son prénom. Chaussette ? Chaussette ! Au bout d'un moment, il le retient. Maintenant, quand vous l'appelez, il vient vous faire la fête. À vous de le câliner avec le stylet. Votre chiot reconnaît même votre voix et votre visage. Si vous vous approchez de l'écran, il vient parfois vous lécher le visage. Mais si c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui l'appelle ou qui s'approche, alors votre toutou peut devenir peureux. Envie de jouer avec votre compagnon ? Vous pouvez le gratouiller et le câliner ou alors sortir des tas de jeux pour vous amuser ensemble. Et n'oubliez pas de le nourrir et de bien lui donner à boire. À tout moment, vous pouvez le prendre en photo avec l'appareil photo 3D de la Nintendo 3DS. Votre toutou peut aussi apprendre des tours comme assis. Sur l'écran tactile, déplacez rapidement le stylet de bas en haut à côté de sa silhouette, puis dites « assis » dans le microphone. Assis ! Faites-le plusieurs fois de suite et votre toutou aura appris un nouveau truc. Maintenant, quand vous lui dites « assis », il s'assoit. Et maintenant, la patte ! Bien ! C'est l'heure de la promenade. Emmenez votre chiot en balade. Il a envie de faire un petit pipi ? Emmenez-le dans un carré d'herbe fraîche. Et n'oubliez pas de nettoyer après la grosse commission. Toilettez-le et faites-le beau avec tout un tas d'accessoires et de chapeaux. Une fois que vous êtes à la cool avec votre chiot, vous pouvez en adopter de nouveau ou choisir un chaton. Comme des vrais, les chatons sont indépendants. Ils vont et viennent dans la maison. Emmenez votre Nintendo 3DS en veille avec vous. Avec la fonction Street Pass, si vous rencontrez d'autres maîtres, vous échangez votre mie et des infos sur votre chiot. Vous pouvez même échanger des photos de vos chiots. Et maintenant, quand vous emmenez votre compagnon en balade, vous rencontrez les chiots et les mies des maîtres que vous avez croisés via Street Pass. Avec les cartes de réalité augmentée fournies avec la Nintendo 3DS, vous pouvez jouer avec vos chiots et avec vos chatons dans la vraie vie. Posez votre carte réalité augmentée dans votre paume, cadrez-la avec votre Nintendo 3DS et hop ! Votre chiot ou votre chaton apparaît dans le creux de votre main. Vous pouvez même le prendre en photo.
Des chiots et des chatons presque vivants avec la 3D Relief de la Nintendo 3DS. Votre compagnon vous attend dans les trois versions de Nintendox plus 4. Bulldog français et ses nouveaux amis, Caniche Toy et ses nouveaux amis, Golden Retriever et ses nouveaux amis, exclusivement sur Nintendo 3DS.